טוב, בשם השם נעשה ונצליח ושמחת בחגיך ואיתך שמח, בשם השם נזכה לישועות ונחמות בעזרת השם יתברך. On est aujourd'hui mardi 6 du mois d'octobre et le Yutret du mois de Tishri. On est en plein Soukot, quatrième jour de Soukot. Comme vous le savez, c'est la Hiloula de Rabbi Nachman de Breslev. Donc on étudiera un Mahamar sur le Likuté Etzot qu'on avait déjà vu à une époque, mais qu'on va un peu le Chadosh Oto Be'ezrat Hashem aujourd'hui, puisque c'est sa Hiloula. Et en même temps, nous sommes dans la spirale de Netzach, puisque c'est le Ushpiz numéro 4 des 7 que nous avons. Donc Moshe Rabbeinu. Ce qui est curieux, comme vous le savez tous, c'est que la sphira de Netzar qui appartient à Moshe Rabbeinu, c'est Gematria Netzar, Gematria Nachman. Comme quoi, que quand la sphira de Netzar intervient dans le monde avec Moshe Rabbeinu, il y a juste à côté être Rabbi Nachman. Comme le dit le verset dans Pirkei Avot, « Im en kemach en Torah ». Si la personne n'a pas de blé à manger, comment tu veux qu'elle étudie la Torah? Et « Im en Torah en kemach ». Et s'il n'y a pas la Torah, eh bien, il n'y a pas de travail dans la ville. On peut le traduire en disant « Imen Kemach ». Kemach, c'est aussi la gématria que Nachman. S'il n'y a pas Nachman, alors on ne peut pas comprendre vraiment la Torah sous l'angle de la Torah de la Géoula. Alors vous allez me dire, mais avant que vienne Rabbi Nachman de Breslev, alors quoi, la Torah qu'on a étudiée avant, elle n'était pas valable? Réponse, si, elle était valable. Mais la Torah de Rabbi Nachman correspond à la Torah de Moshe Rabbeinu pour la fin des temps. Belachen Bezrat Hashem, cette Torah-là a été utile à partir du moment où elle a existé pour pouvoir être aujourd'hui, je dirais, le bonbon, ou plutôt l'épice qui nous donnera la force de résister à cet extraordinaire besoin de nous encourager les uns les autres pour les épreuves de la fin des temps. Car comme je l'ai expliqué hier dans le shiur sur Rabbi Nachman de Breslev, la kdusha extraordinaire de ce rab, pour laquelle nous allons du monde entier tout le temps étudier sa Torah, des fois même partir à Ouman le jour de Rosh Hashanah, pourquoi on est tellement attaché à ce tzaddik? Et eh bien c'est parce qu'il a lancé l'espoir, que dans ce monde, rien ne tenait devant la émouna et l'espoir. Et on a besoin d'espoir pour traverser toutes les périodes dans lesquelles nous sommes. La Chayen Bezrat Hashem, Shiur dédié sur les écrits de Rabbi Nachman de Breslev avec l'aide d'Hashem, Shiur acheté par Marilyn Halimi, c'est pour la Askara, donc de son oncle Mordechai Roger Ben Yasmina, qui est pour demain. C'est-à-dire que c'est demain sa Askara, mais étant donné que ce soir le cours sera sur YouTube, Inemato Vumanaim, on a le droit, et c'est même très conseillé d'avancer un shiur, les Ilou Nishmato, puisque son mérite démarrera de ce shiur. Donc ne vous effrayez pas quand vous voyez que le shiur est fait avant pour la date. Quand c'est fait après, c'est pas la même chose. Quand c'est fait avant, c'est toujours l'heure. Kalva Chomer, ça donne encore plus de mérite. Et pour ceux qui étudient le jour de Moshe Rabbeinu et le jour de la Ilula de Rabbi Nachman, la Chen Bezrat Hashem, Hashem Tenachenu Began Eden, Mordechai Roger Ben Yasmina, Began Eden, et donc Chola Shochvim, Imo, Bichlal, Arahamas et le Chol Vechen, Nassim Ramen. On rajoutera aussi Bezrat Hashem, l'élévation de l'âme de tous les Mété Israël, Bichlalam, Shene Batchefinja, Denis Simcha, Batlola, Tsipora, Bat Zeligman, Levi, Yehuda, Sidney, Ben Eliu Sayad, Moshe Ben Zari, Alem Hashalom. On pensera aussi en même temps, avec l'aide d'Hashem, à la Refoua Shlema de tous les malades d'Israël, sans exception, Bechol Atar Vehatar, Obichlalam, Moratimi, Sarah Talia, Batefrat, Myriam, Samuel, Salomon, Journo, Yanaï, Ben Esther, Anaïs, Batlea, Keti, Arié, Ben Mordechai, Atia, Refoua Shlema pour Lital, Batvora, Shlomo, Ben Mordechai et Daniel, Ben Shlomo. Vous pourrez rajouter, Bezrat Hashem, pour vous-même, Refoua Shlema, Bechama, Meira, Le Kol Mitnete Meta Bezrat Hashem, une grande Hatzlacha pour Giberet Ayekara, Marilyn Halimi, à qui on souhaite tous les bonheurs du monde, spirituel et matériel. Amen. Srut Rabbeinu, Nagen Alechem Al Kolam Israël. On est dans le Likuté Etzot, Moadé Hashem, avec Rabbi Nachman de Breslev. Et je vous avoue franchement, ce matin en étudiant avec mon fils, Rabbi Yehuda Ayakar, on est resté pendant plus d'une demi-heure sur la Agdama de ce que veut dire Rabbi Nachman. Parce que très souvent, on lit Rabbi Nachman. Mais est-ce qu'on comprend vraiment le sens de ce qu'il veut enseigner? Parce que je vous avoue que c'est d'une grande profondeur, comme je lui ai dit, combien les gens regretteront de ne pas avoir étudié sa Torah, qui est un raccourci de l'étude. Pour moi, Rabbi Nachman, dans son étude, c'est un raccourci. C'est-à-dire qu'il va droit au but en passant par beaucoup de livres que l'on pourrait lire. Et lui le dit dans des phrases qui paraissent très simples, très anodines, mais qui renferment en eux énormément d'explications. « Asbon erebe ezrat Hashem, ma omer al hag shel Sukkot » À l'idée Mitzvah Tzuka, Zochin et Shefa Eloki. D'avoir Rishon, par le mérite de vivre dans la Souka durant les 7 jours, nous apportons sur nous une abondance de Dieu lui-même.
En quoi se répartit-elle? Il nous dit « Shum prinat ruach hakodesh ». De quoi est-ce que l'on parle? Eh bien, grâce à la soukha, nous serons capables de renouveler les mochin, de renouveler l'intellect de l'homme. En d'autres termes, selon Rabbeinu, la soukha représente, si on sait que le etrog représente le cœur, que la loulav représente la colonne vertébrale, que les hadassim représentent les yeux et que les haravot représentent les lèvres, eh bien, pour Rabbi Nachman, bizarrement, la soukha représente le cerveau. Et pourquoi? Alors, c'est ce que j'expliquais ce matin brièvement. Parce que la mitzvah de la soukha est la mitzvah la plus illogique de toutes les mitzvot de la Torah. Arrêt, comme je vous l'ai déjà dit, et vous le savez vous-même, par un vécu ou par un shiur que vous avez certainement entendu, cette mitzvah-là demande réflexion. Par exemple, quand nous sommes à Pessah, on regarde la matzah, on dit matzazo. Voilà, en souvenir de l'Égypte, on va la manger parce qu'on peut la prendre avec nous. Mais on ne va pas retourner en Égypte pour commémorer l'histoire de la sortie d'Égypte. Alors pourquoi Dafka la fête de Soukhot? Eh bien, on est obligé de vivre dans la soukha pour se rappeler d'Anané Kavod. Bizarre. Surtout que la personne a son appartement, comme je vous l'ai déjà dit. C'est juste à côté. Voilà. J'ai ma chambre, le masgan, il y a mon livre, il y a tout ce qu'il faut. Pourquoi je vis sur cette mirpesset devenue soukha pendant ces 7 jours? Parce qu'il faut faire Ashlachat Amochin. C'est-à-dire que tout comme la soukha représente l'humilité et un tant soit peu la pauvreté, selon certains commentateurs, elle représente la aniout de l'homme, pour te dire que l'homme dans ce monde, il ne prendra rien avec lui, que le monde est temporaire. C'est pour ça qu'on fait de notre appartement dira, dirat, keva, eh bien on le fait araï, et la soukha qui est araï, c'est pour ça qu'on ne met pas de mezouza. Pourquoi? Parce qu'elle est temporaire. Eh bien on va la faire keva, pour te dire qu'en réalité, on vit dans un monde d'arnaque et d'illusion, et que tout ce que l'on croit construire pour l'éternité restera sur terre, et nous on partira de ce monde. Donc, pour cela, il faut ce que l'on appelle faire Ashlachat Amochin. Être capable de rejeter de notre intellect toute notion de logique pour vivre dans la soukha. Si c'est le cas et qu'on a vidé notre cerveau de logique cartésienne qui correspond au raisonnement humain, eh bien, on peut se remplir enfin du raisonnement de Dieu, qu'on appelle le Ruach HaKodesh, c'est-à-dire d'être capable d'être envahi du souffle divin pour mieux voir l'avenir. Et vous avez remarqué que le mot Chacham ne se traduit pas par le mot intelligent, mais sagesse. C'est-à-dire que, comme le dit le sang, 111e Tehilim, verset 10, Réchit Rochma et Ratachem. Le début de l'intelligence, non, le début de la sagesse, c'est la crainte du ciel. Velachem, Baruch Hashem, celui qui rentre dans la soukha, eh bien, il aura le droit d'être capable de mieux analyser les événements qui viendront. Et pourquoi Davka s'est relié à l'extraordinaire Hilolad Rabbeinu? Tout simplement parce que, qu'est-ce qui nous met dans le Yéhouch? Qu'est-ce qui nous met dans le désespoir? C'est qu'on ne sait pas de quoi va être fait demain. On ne sait pas qu'est-ce qui va nous arriver. On ne sait pas où est-ce qu'on va avec cette pandémie. On ne sait plus. Là, une femme vient de m'écrire, que Dieu la bénisse, avec ses 5 enfants à la maison, elle n'en peut plus. Il n'y a pas de gagne, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de cours pour les enfants, il n'y a pas d'organisation. Tout est en séguerre, on devient fou. Alors si on sait que c'est jusqu'à la fin des fêtes, bon, ben on tiendra le coup. Mais qui te dit qu'après la fin des fêtes, tu n'auras pas encore une semaine, puis une autre semaine, peut-être un mois, peut-être des mois? Qui t'a dit? Personne ne sait. De vivre dans l'incertitude mène l'homme au désespoir. La Emouna le relève. Rabbeinu nous apporte que En Yehush Klal Baolam. Et donc la fête de la Soukha, justement, qui est capable de prévoir la guerre de Gog ou Magog, justement cette guerre dont tous les livres nous parlent, nous permettra de nous préparer à cela. Et donc la Soukha nous prépare à toutes les éventualités pour que dans l'année, quoi qu'il y arrive et quoi qu'il se passe, on ne perde pas l'espoir de voir de quoi sera fait demain. Chez Neymar, comme c'est marqué, « Ezeu Chacham Aroet Anolad ». Qui est le Chacham? Celui qui est capable de voir ce que les événements que l'on vit difficiles aujourd'hui engendreront pour nous demain. Et si je sais que je suis en train d'investir, par exemple, de l'argent, mais que je sais parfaitement que cet argent que j'investis va me rapporter le centuple, est-ce qu'en versant et en perdant cet argent de mes mains, je vais pleurer? Non, je vais être content d'investir, car je suis capable de voir qu'en réalité, cet investissement va me rendre extrêmement riche. Et c'est là qu'est toute la chorma de Rabbi Nachman de Breslev. C'est de nous dire, sois patient, attends, tu verras que les événements qui ressortiront t'amèneront Bezrat Hashem à retrouver un sourire encore beaucoup plus grand que si ces événements-là ne t'avaient pas frappé. Et ainsi donc, en te vidant de tes mochin dans l'illogisme de la mitzvah de la soukha, eh bien, tu auras une intelligence, Sechel Gadol, Behemet, une réelle sagesse qui te permettra de mieux vivre. Vous savez, il y a quelque chose de bizarre que l'on dit à propos des Umot HaOlam. Pourquoi est-ce que la guerre de Gog ou Magog
donnera un coup fatal aux 70 nations. Lama Be'etzem, réponse que l'on lit dans la prière et que vous savez tous dans la Gemara de Maseret Avodah Zarah, c'est que les nations du monde ne sont pas montées fêter la fête de Sukkot. Et heureusement qu'ils ne la fêtent pas, la fête de Sukkot, ce n'est pas leur fête, c'est la nôtre. Eh bien non, contre toute attente, la fête de Sukkot appartient aux Juifs, effectivement, c'est vrai, excusez-moi un instant. Mais contrairement à Pessah, vous avez remarqué que l'on dit le Hallel en entier tous les jours. Et pourquoi ? Eh bien parce que nous commémorons tous les jours, à l'époque du Beit HaMikdash, des korbanot, des sacrifices nouveaux. Et ces sacrifices nouveaux ne concernaient pas que Israël, mais aussi les 70 nations. C'est pour ça qu'en tout et pour tout, dans les 7 jours de Sukkot, nous faisons 70 sacrifices. C'est-à-dire qu'il y a un lien très profond entre la fête de Sukkot et les nations du monde. Ce lien-là est relié sur deux panels, sur deux domaines qu'il est impératif de comprendre. Le premier domaine, c'est tout simplement la Emouna. C'est-à-dire que les nations du monde ne sont pas aptes à comprendre la fête de Sukkot. Pourquoi ? Parce qu'elle est tellement illogique que l'esprit humain refuse de l'aborder. C'est pour ça que la Gemara nous dit dans Maseret Avodah Zarah, quand les nations du monde verront le salaire d'Israël, en disant « Hé, nous aussi on a participé à l'étude des enfants d'Israël en leur donnant notre pays, leur laissant construire des yeshivot, on a fait des ponts pour eux, des bains, et ainsi de suite. » Dieu leur dira « Vous êtes des menteurs, tout ce que vous n'avez fait que pour vous. » Et leur donnera une mitzvah kala, la fête de Sukkot. Et ils ne tiendront pas. Pourquoi ? Eh bien parce que cette fête-là est tellement antilogique que eux mêmes le disent dans la Gemara. Quand Dieu leur propose « Vous voulez ma Torah ?» Qu'est-ce qu'ils vont répondre ? Qu'est-ce qu'il y a marqué dedans ? C'est-à-dire que si tu nous donnes quelque chose qui est profondément stupide et qui engage à de grands engagements, à une grande responsabilité, sans que l'on comprenne de quoi est-ce qu'il s'agit, cela ne nous intéresse pas. Et la fête de Sukkot est une cabane qui est très précaire, dans laquelle la personne vit dans du sûr, en tout cas ça paraît être sûr, des murs de béton, un lit en bois, tout ce qu'il faut, pour aller vivre et s'enfermer dedans. Il n'y a que la Emouna qui peut mener un homme à vivre 7 jours dans une cabane alors qu'il a tout ce qu'il faut en face de lui pour vivre de façon correcte. Eh bien cette Emouna-là, les nations du monde ne l'ont pas. C'est-à-dire que si les choses ne sont pas logiques et explicables, pour eux, il n'y a pas de place pour Dieu. Mais la reine, même s'ils ont des grandes phrases du style « les voies de Dieu sont impénétrables » et ainsi de suite, eh bien on voit que quand la logique ne répond plus à leur intellect, ils quittent ce domaine de la foi. De façon générale, il y a peut-être des exceptions à la règle chez eux, j'en sais rien, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre la logique de cette fête qui dure 7 jours et qui, elle, par contre, paraîtrait totalement... Je me rappelle qu'une fois, j'avais parlé avec des gens à l'époque à Tel Aviv, des cathotes, des sectes. J'avais posé des questions par rapport à ce qu'ils mettaient en pratique et j'étais effaré qu'ils avaient réponse à tout. Le truc au cosmique, machin. Mais ils avaient réponse à tout. Tout. Et je lui ai dit, si un jour tu n'as pas de réponse, il m'a dit, bon, on a intérêt à en trouver. Sinon, on perdrait des adeptes. La Torah, quand on l'a reçue, on a dit, Naaseh v'nishma. Nous n'avons pas besoin de la comprendre, nous la ferons d'abord. Dieu a répondu, Migal haraz el banai. Qui a livré ce secret ? Qu'en réalité, la Torah ne peut se vivre que quand elle est vécue et non pas su. Mais la reine, la Torah a besoin d'être vécue pour être comprise. En d'autres termes, pour vivre l'intelligence et la sagesse de la Torah, pour être empreint de Tziladim Hemenuta, qu'on appelle l'ombre de l'Aimuna, il faut vivre dans la Soukha. Même si tu ne comprends pas, même si ça paraît totalement illogique de vivre des fois dans le soleil la journée et le froid de la nuit, voir les piqûres des moustiques et les mouches qui ne cessent de tourner autour de nous, dû à la nourriture et des fois à la chaleur, eh bien, nous restons attachés à cette mitzvah-là parce que le premier dauphin de cette situation, le premier mur sur lequel les enfants d'Israël se heurtent, c'est l'Aimuna. Et nous avons l'Aimuna, nous aimons la fête de Sukkot, même si elle paraît pas spécialement logique à nos yeux et qu'elle n'est que commémoratrice des cabanes que nous avons fabriquées à la sortie d'Égypte, selon Rabbi Akiva, ou de la nuée de gloire qui accompagnèrent les enfants d'Israël dans la gloire que Dieu nous a accordée, qui est une fête commémorable. Baruch HaShem est extraordinaire. La deuxième chose que l'on doit retenir de la fête de Sukkot, eh bien, c'est tout simplement que les nations du monde, malheureusement, n'ont pas été capables de venir dans la Soukha. Ça veut dire quoi ? D'un côté, on sait que, comme le dit le Kafar Haïm, il est interdit à un non-juif de pénétrer dans la Soukha de façon absolue, l'otov chez Ikanes. Ok ? Alors, dans ce cas-là, pourquoi on leur reprocherait de ne pas être venu faire la fête de Sukkot ? Réponse, parce que la Soukha est par excellence le symbole du shalom. C'est pour cela que nous, les juifs,
tous les soirs, à la prière d'Arvit, nous disons « Ufros alenu sukat shelomecha ». La soukha représente le symbole du shalom. Et étant donné que les pays sont les premiers à se produire en armement et toujours prêts à se menacer dans la guerre, en d'autres termes que la nature de l'humanité, c'est de faire la guerre dans le cas où il y a quoi que ce soit, eh bien, le biais de la soukha, le symbole de la soukha, c'est de réunir toutes les tendances sous un seul shalom. Et c'est pour cela que nous faisons de façon assez forte les korbanot pour les nations du monde. Qu'est-ce que c'est les korbanot? Qu'est-ce qu'elles viennent réparer les korbanot des nations du monde? Aux sages de nous dire qu'elles viennent réparer justement toutes ces guerres et ce sang versé qui aurait pu être évité s'ils avaient été capables d'être plus humbles et de venir négocier. Mais la chen bisyata d'Ishmaïa, nous le peuple d'Israël, nous avons le symbole de la soukha qui est justement représentatif de Ufros alenu sukat shelomecha. Les portes que nous avons ne sont pas des portes blindées, ce sont des portes qui s'ouvrent. Qui veut peut rentrer en général dans une soukha pour s'y installer, sauf pendant cette période de pandémie où que nous traversons des choses difficiles. Mais pour cela, il faut être capable de voir le monde avec sagesse et avec humilité. Ce n'est pas minastam qu'aujourd'hui, nous faisons ce shiur, jour symbolique de la plus grande, et plus, j'irais plutôt le plus grand, la plus grande des midas et le plus grand des personnages de l'humilité, Moshe Rabbeinu. Vaish Moshe anav meod mikol ha'adam asher me'alpenei ha'adama. On a vu que l'humilité de Moshe Rabbeinu a été capable de réinstaurer le shalom au sein du peuple d'Israël dans tous les sens du terme, comme l'a fait Rabbeinu. Rabbeinu est un homme, mamash, qui représente le shalom, et on n'est pas étonné de voir que tout comme à l'époque de Moshe Rabbeinu, alav shalom, toutes les tendances des 600 000 hommes sortis du pays d'Égypte étaient reliées à Moshe Rabbeinu, on voit que chez Rabbeinu, de la même façon, toutes les tendances sont aussi représentées. Le jour de Rosh Hashanah, quand on va à Ouman, on voit Behemet de toutes les kippot, que ce soit un Lubavitch, que ce soit un Chiloni, que ce soit un Vijnitz, que ce soit toutes les tendances. J'ai rencontré vraiment tout le monde là-bas, même des gens tatoués, des gens très loin du judaïsme, et qui sont pourtant là-bas et qui se ressourcent chez Rabbi Nachman, parce qu'ils sont une forme de Sinaï qui est capable, Behemet, de nous faire monter dans l'ascension d'un peuple qui est capable de vivre dans le shalom et de s'aimer quoi que l'on pense les uns des autres. Être capable de s'accorder de l'estime, même si Behemet, on n'en trouve pas spécialement. C'est ce qu'on appelle trouver le point positif de l'autre. Mais la reine, pour cela, il faut être capable d'avoir le roi HaKodesh, comme le rabbi de Lubavitch, entre autres, qui était capable, grâce à son roi HaKodesh, de voir des juifs, et de voir que d'ici quelques années, quelques mois ou quelques jours, voire quelques semaines dans certains cas, ces gens-là étaient capables de faire teshuva. Combien de fois on s'est abattu sur des gens, pensant que c'était des gens qui n'auraient aucune qualité dans ce monde, et aujourd'hui qui sont devenus de grands personnages, qui ont fait teshuva, qui se sont mariés, et qui sont même devenus des symboles d'exemple pour d'autres. Car la soukha, elle est, comme vous le savez, la soukha a deux lumières, une intérieure et une extérieure, le or amakif et le or apnimi. Et il explique ici que le fait de rentrer dans la soukha, comme une espèce de pommade spirituelle, eh bien, la lumière qui nous entoure à l'intérieur de la soukha est capable de remodeler le cerveau de l'homme. Alors, à quoi c'est dû? Sans rentrer trop dans le sod, c'est que tout simplement, après avoir vécu la fête de Yom HaKippurim, qui représente Keter, c'est-à-dire l'homme avant la faute originelle, nous rentrons dans la soukha. Et qu'est-ce que la soukha? C'est un monde d'amour. Si je devais rentrer dans les mondes les plus profonds et ésotériques, je me permettrais de vous dire que rentrer dans la soukha, c'est rentrer dans le Etz Hadaat Tov Vara. Ne pas être face à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais d'être à l'intérieur de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, là-bas où se trouvent toutes les connaissances. Et c'est pour ça que quand on est dans le Or HaMakif, c'est-à-dire dans l'intériorité de la soukha, nous nous trouvons dans le summum de la connaissance. Et comment? Eh bien, si vous n'arrivez pas à comprendre une étude, et que toute l'année vous n'avez pas réussi, ni le Shabbat, ni Yom Tov, attendez le jour de la fête de Sukkot pour étudier cette même étude dans la soukha. Pourquoi? Parce que l'obscurité qui n'a pas vous permis à vos yeux de voir la lumière de l'étude, grâce au Or HaMakif et au Or HaPnimi, vous pourrez mieux la comprendre ce jour-là. Car la soukha a pour régime extraordinaire d'instaurer dans les yeux de l'homme la lumière qui lui manquait à la compréhension de l'étude de la Torah. Les Eperushadava, j'ai une prinat à Sechel Shebala Adam, l'Obeshu Magdama, car la sagesse qui pénètre l'homme vient sans aucune préface, elle n'a pas besoin de là. Elle a lié des Shefa Eloki, mais uniquement par le biais de l'abondance du cadeau que Dieu nous fait quand on rentre dans la soukha. À quoi cela ressemble? J'ai donné cet exemple ce matin à mon fils. Baruch Hashem, vous savez, quand on a une voiture électrique, pour les enfants, vous savez, il y a des voitures avec la télécommande, on les installe dedans et puis on peut leur faire faire un tour. Tout le monde connaît ces petites voitures pour enfants.
Eh bien, pour que ça puisse marcher, ou même les voitures aujourd'hui pour adultes, il faut brancher. On appelle ça la TN. Mat-N en hébreu, c'est le câble électrique que l'on branche pour que la batterie puisse se recharger. De la même façon, le mat-N de l'esprit humain juif se remplit pour toute l'année pendant ces 7 jours. D'où l'importance de rester le plus branché à la soukha pour que notre intellect se remplisse le plus possible pour toute l'année juive qui arrive devant nous. Ken, oubijouize, kedesh iske la sigma kifin. Et oui, ainsi donc l'homme pourra obtenir Bezrat Hashem, pas simplement la lumière intérieure de ce qui est dans sa vie à lui, mieux se comprendre et mieux évoluer vis-à-vis d'Hashem, mais aussi la lumière extérieure pour mieux comprendre le monde à l'extérieur. Et que quand on voit les informations comme faisait Rabbeinu, on ne tombe pas dans le désespoir, mais justement, on est capable de déceler les codes informatiques de Dieu lui-même pour comprendre comment Dieu compte faire pour emmener la Géoula. Shem Ikar HaShoah, HaOlam Haba, comme il explique ici d'ailleurs dans le Likutei Moharan Torah Kafalev, eh bien que c'est ce qu'on appelle le jeu par excellence, le jouet par excellence du HaOlam Haba. L'idée, Bezrat Hashem, Mitzvah Tzuka, étant donné que maintenant le cerveau est équilibré par les deux lumières que produit l'énergie de la soukha, Zochin le Taharat Alev. Qu'est-ce qui nous rend mauvais en général, dira Benou, le cœur, ce qu'on appelle Roa Lev. Il y a des gens qui, malheureusement, ont un mauvais cœur. C'est le cas des gens qui sont atteints de certaines maladies ou certaines pathologies, comme le pervers narcissique, entre autres, ou d'autres problèmes, des gens qui sont profondément jaloux, qui ont un mauvais œil, donc ils ont un mauvais cœur. Il dit la soukha est capable, Behemet, de rendre le cœur plus pur. Écoutez bien ce que je vais vous dire ici, c'est très important. C'est que vous savez qu'une soukha est comparée au Kodesh HaKodashim. Le Kodesh HaKodashim, c'était l'endroit du travail du Kohen Gadol vis-à-vis d'Hachem. Maintenant qu'on a quitté Yom HaKippurim, où seul le Kohen Gadol pouvait rentrer dans le Kodesh HaKodashim, chaque enfant d'Israël a un digne de Kohen Gadol dans la soukha. Et comme la soukha est empreinte du nom divin, Yudke Vavke Beshem Adnout, c'est-à-dire 91, tout comme on était comme des anges où on créait Baruch, Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, à voix haute comme le font les anges à Kippour. De la même façon, 91, c'est la Gematria du mot Malach. Pour dire que chaque juif a l'occasion dans la soukha de rentrer dans la Hidbo des doutes et de parler avec Hachem, dans la soukha, Mamash, Kedin Moshe Rabbeinu, Panim El Panim. De la même façon qu'on parle dans le Kodesh HaKodashim, quand tu parles à Dieu dans la soukha, tu n'as pas besoin d'aller à la synagogue. Pourquoi ? Parce qu'Akadosh Baruch Hu Behemet, je parle pour aller parler à Dieu avant d'aller dans les synagogues, hein. Celui qui rentre dans la soukha, une femme juive qui rentre dans la soukha pour parler à Dieu, elle est qui ilou en face de Dieu. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une promesse comme ça qui est faite, que celui qui arrive jusqu'à Simchat Torah, quand il a eu le mérite d'avoir Rosh Hashanah, Kippour, la soukha sur lui, ce mérite est tellement grand que tout ce qu'il demandera Bezrat Hashem le jour de Simchat Torah, Iske le Yeshuot Venechamot Ad Beli Dai. Ça veut dire que Behemet, tous ses vœux pourront s'exaucer. Et pour cela, il faut venir avec le mérite. Vous savez à quoi ça ressemble ? À des barreaux. Quand on veut atteindre quelque chose de haut, il faut surtout faire attention d'avoir monté tous les barreaux. De la même façon, si on rate trop de jours de la soukha, quand on arrive à Simchat Torah, on ne sera pas bien préparé, à moins qu'on n'ait pas eu le choix vu la pandémie. Mais de façon générale, plus on aura l'occasion de rester dans la soukha, et plus ça nous permettra de pouvoir, Bezrat Hashem, les tapes gavoa beyoter. Et la Chen, il dit, la soukha a pour extraordinaire valeur d'enfin d'adoucir ce cœur de pierre en cœur de chair. Les mots Breslev, on fait une allusion, même si Breslev, on sait que ça s'écrit avec un samer, ça s'entend avec Lev Bassar. Lev Bassar, c'est que la Torah de Rabbeinu est capable de rendre le cœur d'un homme qui était un homme de pierre, un homme dur et rigide, en cœur de chair, c'est-à-dire tendre et agréable à vivre. Car un homme qui a un cœur dur, Dieu ne l'entend pas. Mais un homme qui a un cœur qui est doux, un cœur qui est bon, Dieu entend toujours sa prière. Et d'abord, b'chol pam diborim chadashim shem prinat ruach hakodesh. Et qu'est-ce qui se passe? Quel est l'élément que ça nous rapporte, dit Rabbi Nachman? Eh bien, quand on est capable d'avoir, Baruch Hashem, un cœur qui est pur, on est capable de renouveler sa prière. Et quand on est capable de renouveler sa prière, c'est le début du ruach hakodesh. Torah Gimel nous apprend ici, Sukkai, la Torah, c'est la Torah Memchet, aval dans le paragraphe ici, Gimel, du Likute Etzot, il nous dit Soukha et Sigula les Banim, celui qui veut des enfants, qu'ils vivent dans la Soukha. Ou Matzelet Mirib ou Mahlokot, et la Soukha empêche de qui plus est les Mahlokot et les disputes, aussi bien dans ce monde que dans le monde d'en haut. Ce qui fait que par le mérite de la Soukha,
Si, par exemple, les anges accusateurs interdisent pour X raison à une femme, parce qu'elle aurait fait un avortement, d'avoir un enfant, parce qu'un homme aurait fait Zera Levatala trop souvent ou autre chose, eh bien, qu'ils sachent que la fête de la Souka est une machine à laver pour ce genre d'accusation. Mais Nitret Hacheker, le mensonge disparaît grâce à la Souka. Le Emet, on en a besoin dans nos générations, vous avez compris. Vehemet Midgaber, Midgaber à Emet, la vérité ressortira encore plus. Vehidgalé à Rabbi Emet Shebador. Et le Rav responsable de la génération, le Rav de la vérité, pourra plus apparaître aux yeux de tous pendant cette période. Allez, désé. Akol Erzoro Lachem Ibarach, Vnu Umot Aolam, la Ravdo Shechem Echad. Et il faut savoir que, grâce à la Souka, écoutez bien ce qu'il dit, c'est un chidouche énorme. Il dit que la Souka est non seulement capable de faire faire Teshuvah au peuple d'Israël, mais que si Israël font bien la pratique de la Souka, eh bien, les nations du monde eux-mêmes peuvent faire Teshuvah sur les sept lois noachides et enfin respecter la dimension de la Bechora du peuple d'Israël, c'est-à-dire peuple Israël en tant que peuple aîné des nations du monde. C'est un enseignement extraordinaire parce qu'on voit une fois de plus que le baromètre des nations du monde, ce sont les Juifs et les fêtes juives qui sont citées ici. Puis là, Bechor, Beret Israël, Bezrat Hashem, surtout quand on a le mérite du Rabbi Nachman de Breslev de vivre en Eretz Israël, car il dit que Tfila Bekoar, celui qui prie de toutes ses forces, qui vit en Eretz Israël, Veretz Israël, ou Mitzvah Souka, donc imaginez qu'il est la Souka, il vit en Eretz Israël et il prie de tout son cœur, Emprinat Achat, Plum Zebazé. C'est une seule chose qui s'est réunie, Kruta Meshulash Lobimera Yenatek, et qu'il peut aller extrêmement loin, Bezrat Hashem, dans ses demandes pour une année nouvelle pour lui ainsi que pour tous les enfants d'Israël. Après, on parle de beaucoup, beaucoup d'autres choses. Al-Ede Mizbat, Nitilat, Lulav, Omnav, Jokhim Legalot, Adat, Akadosh, Leda, Shakadosh, Jokhim Lekol, Aretz, Kevodo. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il dit que celui qui rentre dans la Souka, il va vivre avec une grande évidence que Dieu a créé le ciel et la terre et qu'il remplit le ciel et la terre de son honneur, ou le Galot, et le Kout, et le Barar, Bechol, Makom. Et il aura le mérite de voir Dieu dans tous les événements de la vie. Donc, ce que je vous ai dit, il le marquait juste en face, bien sûr, Afilou, Bechol, le Shonot, Agoim, et dans tous les langages des nations du monde, que ce soit dans les plus hauts niveaux, les plus bas niveaux de ce monde, le kasher adat akadosh baruch hu le toch alev, et de ressentir akadosh baruch hu même dans ses sentiments, chez yeh libo berushuto velelov et atzmo machen barar be'ava, et d'arriver à l'amour de Dieu pour lui-même et pour lui, et la voie le hora ava shebadat or aganuz adgalu tzadikim, car la lumière qui a été cachée pour les tzadikim le'atid lavo se dévoile aussi dans le domaine de la souka, quand surtout on fait attention à ce que l'on dit dans une souka, quand on se comporte bien dans une souka, Bezrat Hashem, et que dans la souka, surtout, on chante. Moi, je vous donne un conseil, chantez beaucoup des chants. Et il dit, Nefesh, Vesamarta Bechagecha, Santolando Rabbenu, Rabbi, tous les jours, poser des questions sur les Sheva ou Shpizin. Bezrat Hashem, si on a l'habitude de le faire avec la famille, Bezrat Hashem, de penser constamment à Hashem dans la souka, et ne pas rendre la souka, même si on nous demande dans le Shulchan Aruch, Bezrat Hashem, de considérer la souka comme tout ce que tu fais à la maison, que tu fais dans la souka, malgré tout de ne pas oublier que la souka c'est un dîne de synagogue et qu'il est impératif de faire attention, de ne pas sortir la moindre parole. Déjà dans une maison c'est assour, mais à plus forte raison ici dans la souka, car la joie de la souka est si importante que Dieu nous ordonne Vesamarta Bechagecha Vaitar Sameach, comme c'est marqué Beyom Chatunato Uvyom Simchat Libo Beyom Chatunato. Chazal disent c'est la fête de Shavuot pour compléter le cours d'hier. Uvyom Simchat Libo, c'est la fête de Simchat Torah. Beyom Hatunato, Uvyom Simchat Libo, c'est la fête de Sukkot qui nous mène, Bezrat Hashem, en tant que tremplin vers la fête de Simchat Torah, où la joie sera son comble, comme Moshe Rabbeinu a été un homme heureux malgré toutes les épreuves qu'il a eues, comme Rabbi Nachman, parce qu'ils avaient des points communs, l'humilité et toute la force qui nous permet de nous emplir de sagesse divine, qui nous permet d'avoir le roi HaKodesh, qui nous permet de mieux voir l'avenir, qui nous permet de surmonter les problèmes, c'est le travail de l'humilité. Et la Souka nous aide, non pas de façon symbolique, mais de façon vivante, à comprendre combien on a intérêt à être humble, car tout ce que nous sommes appartient à Dieu, et tout ce que nous avons restera là, tandis que nous partirons. On n'a pas de quoi s'enorgueillir, et quand on est capable de se vider, c'est qu'on est automatiquement capable de se remplir d'autres choses beaucoup plus valeureuses que ce que l'on avait en nous au préalable. C'est retirer du sable, car l'homme vient de la terre pour se remplir, Baruch Hashem, de poudre d'or, comme le Créateur du monde veut nous remplir. Videz vos mains si vous voulez que je les remplisse. Bezat Torah shel Rabbeinu, Bezrat Hashem, Zchuto Yegen Aleinu. C'est la Torah de Moshe Rabbeinu,
Comme dit le Chida Kadosh, la Torah a été donnée par trois éléments. Le désert, car c'est une terre aride dont personne n'est prêt à se battre pour l'avoir. Le Sinaï, qui était la plus petite des montagnes. Et Moshe Rabbeinu, qui a été sélectionné parce que c'était l'homme le plus humble de tous les hommes. La Torah Azot, la Kedusha Azot, apporte l'homme à toutes les réussites. Non seulement Dieu le fait l'aimer aux yeux des autres, non seulement il peut le remplir parce qu'il est vidé de lui-même, non seulement il aime la paix car il estime qu'il n'est rien pour se disputer, non seulement il réussit sur tous ses chemins car Dieu est avec les gens qui ont le cœur brisé. Et pour finir, étant donné qu'il est réellement humble, rien ne le rend triste car pour lui, il ne mérite rien. Ainsi donc, il est toujours heureux de son sort. Et celui qui est heureux de son sort mérite toujours mieux que son propre sort. Baruch Adonai Leolam, Amen Ve'amen. Ashur Haya Bezrat Hashem, pour l'élévation de l'âme de ce tzaddik Mordechai Roger Ben Yasmina. Roi Hashem Tenachenu Began Eden Elyon. Sa askara est pour demain, mais dès ce soir, ce sera déjà mis sur YouTube. Les gens pourront regarder ce shiur Bezrat Hashem et le partager s'ils le veulent, avec l'aide d'Hashem, pour pouvoir mieux s'enquérir de la Torah de Rabbi Nachman, le jour du Ushpiz, d'un des plus grands maîtres, voire le plus grand prophète d'Israël, Moshe Rabbeinu, à qui on doit toute notre Torah d'aujourd'hui. Baruch Adonai l'Olam Amen V'Amen. On se revoit tout de suite pour un shiur. Ah, ma femme a dit non. Non, on verra. Bezrat Hashem, je pensais faire un autre shiur. Oui, alors c'est bon. La patronne a dit oui, c'est bon. Bezrat Hashem. Ah. Et donc à tout de suite. Et Vesamarta Bechagecha Vaita Ar Sameach. Kol Tov.